Et salut tout le monde, c'est Sandu30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors si vous en souvenez bien, la dernière fois on était parti en quête du village des limites. On y était arrivé finalement et on avait vu un laboratoire. Ce laboratoire, il nous a fait déguster une quête. Une petite quête qui était tout simplement l'héritage de Zelda, le chef du laboratoire antique des limites, a besoin de la pierre guide pour réparer la tablette Sheikah, mais elle est hors service pour la démarrer. Il suffirait d'allumer le fourneau attenant, ça se dit attenant, fourneau attenant au laboratoire avec une flamme bleue. C'est à vous que revient la tâche d'en transporter une du fourneau antique du village jusqu'au fourneau du laboratoire. Ok. Et comme vous le voyez bien, je suis sur une tour, c'est tout simplement la tour des limites. Alors vous voyez, regardez, en off, j'ai un peu taffé. Regardez, j'ai fait quelques sanctuaires tout autour de la zone. J'ai pas vraiment visité plus loin que les sanctuaires ici et là. Voilà, j'ai... Bon, en fait, dès que j'en voyais un, j'ai par exemple ici, sanctuaire de Tumisoke, vous savez, c'était quand on était au Grand Plateau, c'était le sanctuaire des glaces. On était tellement en hauteur que j'avais vu un sanctuaire près du désert, et en fait, tout simplement avec le paravoile, ben, j'ai fait cette traversée-là, et puis j'ai fait ce sanctuaire. Bon, alors du coup, aujourd'hui, nous allons faire donc la quête du village des limites, et d'ailleurs, on va partir. Et d'ailleurs, les Korogu, regardez, je sais pas si vous les voyez, j'en ai eu plein. Alors, regardez combien j'ai de... attendez, c'est pas là. Non, c'est pas ici. Voilà, c'est là. Allez, vas-y. Voilà, super. Si, si, voilà. 12 emblèmes du triomphe et 42 noix Korogu. C'est incroyable. Les noix Korogu, c'est vraiment... En fait, elles étaient sur mon passage quand je les ai trouvées. On voit vraiment où il y a un Korogu et où il n'y en a pas, en fait. Voilà, c'est vachement cool comment ils les ont placés. Parce qu'on voit vraiment où c'est, quoi. Alors, et en plus dans chaque village, vous m'avez dit qu'il y a une petite statue de la déesse, donc on pourra dépenser nos emblèmes du triomphe pour tout simplement un cœur en plus et 2 barres de stamina. Voilà, parce que on avait la dernière fois qu'on avait eu l'amélioration avec 4 emblèmes du triomphe, c'était pour un cœur. Du coup, on va faire de la stamina, on va reprendre un cœur et on va refaire de la stamina. Voilà. Ça va être sympa. Alors, le fourneau, déjà, il faudrait que je le trouve où il est. Je crois que c'était l'espèce de... Quand on est arrivé au village des limites, je suis tombé sur le fourneau directement avec de la flamme bleue. Et je crois que je l'avais mis en étoile sur la map. Je m'en souviens plus trop. Je crois que c'était ça, mais bon, il faudrait que je m'en rappelle. Alors j'ai plus de stamina, voilà. Pourquoi je voudrais l'augmenter? Parce que voilà quoi. J'en ai plus trop. Alors, du coup, le village des limites, c'est vraiment sympa parce que j'ai l'impression que tous les villages changent un peu. On avait déjà eu le village Cocorico qui ressemblait vraiment à un village japonais. Et là, le village des limites, c'est plus un village français, j'ai l'impression, plus... Oh, je sais pas. En tout cas, par exemple, la musique, je viens de terminer le montage de l'épisode précédent, la musique est excellente. Je l'ai entendue pendant les 40 minutes, à vrai dire, pour le montage, et franchement, elle est super. Par contre, la statue de la déesse, j'aimerais bien savoir où elle se trouve. Parce que, j'aimerais bien, en fait, augmenter... augmenter notre stamina, quoi. Je sais pas du tout où elle est. La statue. Je pense qu'elle est dans un endroit où tout le monde peut la voir. Je sais pas. Alors là, il y a un espèce de truc pour les flammes. À mon avis, ça, il faudra l'enflammer de flammes bleues. Je suis presque certain. Il y a des quêtes, des fois. Regardez, j'ai trouvé ça. Voilà. Alors là, c'est dans la maison, je crois qu'il y a une quête. En fait, quand on s'approche des gens, par exemple, ils vont parler. Alors, par exemple, voilà, on s'approche de lui, voilà, il fait coucou. Et des fois, quand on s'approche des gens, ils ont un petit point d'interrogation, enfin, d'exclamation rouge. Et ça veut dire que ça, ils veulent nous faire une quête. Ils veulent nous mettre une quête. Par contre, je sais pas du tout où j'ai trouvé les messieurs là. Ah, où c'était? C'est là. Peut-être que c'était ici. Quelqu'un peut pas me donner une quête? Personne veut une quête? Personne n'a me donner de quête? Pourtant, je suis serviable, hein. J'aime faire des quêtes. Ah, voilà, regardez. Ici, voilà. C'est le petit, en fait, qui me demandait. Salut! Alors, tu viens du monde lointain, toi? Et puis, t'as plein d'armes. Ça veut dire que t'es super fort, non? Je me débrouille. T'as l'air d'avoir beaucoup voyagé, toi. Tu dois connaître plein d'armes différentes, pas vrai? Alors, dis, tu voudrais bien exaucer le rêve d'un petit garçon? Et ce petit garçon, ce serait moi, d'accord? Mon grand-père était un passionné d'armes, mais il est mort avant d'avoir pu toutes les voir.
Alors, s'il te plaît, montre-moi les armes que je te dis. Et alors, moi, ensuite, je pourrai tout raconter à mon grand-père. D'accord. Youpi, c'est mon grand-père au ciel qui sera content. Alors, par quoi on pourrait commencer? Dis-moi, t'as déjà entendu parler de l'épée de voyageur? Oui, je crois que j'en ai une. Ça, c'est un truc que j'ai vu dans mon livre, mais j'en ai encore jamais vu en vrai. Alors, si tu trouves cette arme, montre-la-moi, s'il te plaît. Est-ce que j'ai un truc de voyageur? Je crois que oui, hein. J'en avais un moment. Ah non, c'est épée de soldat que j'ai. En parlant de ça, regardez les armes que j'ai eues. J'ai eu une baguette électrique. Une mission, vous voyez. En fait, il y a des baguettes dans le jeu. Et en fait, là, j'ai une baguette électrique qui me permet en fait d'envoyer de la foudre. J'avais eu une baguette de feu, mais c'était cassée. Et en fait, les baguettes, c'est des espèces d'esprits qui nous les donnent. J'ai eu un boomerang aussi, mais bon, on peut le frapper comme avec une épée. J'ai eu des flèches, voilà. Regardez le boomerang, il revient. Ah bah non. Enfin, il revient normalement, sauf s'il se prend un obstacle en course. Alors, le fourneau. Bon, vous savez quoi, la statue, on va la laisser. On va laisser ça pour l'instant. La statue, on va la laisser. Alors, le fourneau, où était-il? Où est-il? Je sais plus du tout où il était. Attendez. Alors, là, il y a des vignes. Enfin, des plantations, plutôt. À mon avis, elle doit être dans les hauteurs, là. Parce que je me souviens comme si c'était hier, quoi. Ah, regardez. Alors, là, il y a un petit truc pour faire de la cuisine. Ça, j'ai marqué sur ma map. Voilà. Non, c'est pas ça ce que je voulais faire. C'est remplacer la balise avec, voilà, un petit tampon de couvercle, de marmite. Super. Oh, il y a un œuf. Voilà, bon, on va le prendre. Ouais, normalement, quand on fait peur aux poules, j'ai remarqué, quand on les frappe, en fait, et ben des fois, elles nous donnent des œufs parce qu'elles esquivent le coup. Regardez. Voilà. Voilà, elles esquivent et des... Voilà, ben, vous avez vu, vous avez très bien vu. Elle nous donne un œuf parce qu'elle a peur. Du coup, elle pond, quoi. Alors, là, le truc, il est où? Attendez, je l'ai pas perdu quand même. Si, je suis sûr, attendez, qui doit être là? Attendez, c'est pas possible. Il est où? Bah non, je crois que je l'avais mis sur ma carte, j'avais pas mis un truc. Non, hein. Étang de Zelk, non, c'est pas ça. Attendez. Il doit bien être là, hein, j'en suis certain. Hein. Non. Mais comment ça se fait, attendez. Mais comment ça se fait? Je l'avais vu la dernière fois. Vous en êtes témoin de toute façon, parce que vous avez vu le dernier épisode quasiment tous. Quasiment, hein. Je fais une généralité, mais je pense que vous avez tous vu qu'on avait déjà vu, non? L'espèce de... Mais si, je m'en souviens qu'il y avait un fourneau qui lâchait une flamme bleue. Attendez. Là, on prend pour un imbécile. Ah mais c'est pas là, elle est pas là ma statue? Elle devrait être là, non? Non, ok, bon, il y a des espèces de construction. Alors, la flamme bleue. Ah ben voilà, elle est là-bas. Ah ben, après 9 minutes, le Sanji a compris que la flamme était là. Après 9 minutes d'enregistrement. Alors, lui, il fait de la bêche. Je crois que ça s'appelle comme ça, il bêche. Le fait de remuer la terre. Alors, du coup, la flamme bleue. Ça tombe bien parce que j'avais gardé avec vous une petite torche. Du coup, cette torche, ben voilà, va nous servir. Alors, ça, on pourrait... Voilà, vous voyez, on peut les allumer, c'est sympa. Alors, ben, on va monter maintenant comment ça s'appelle? Oula, faut pas tomber quand même. Faut pas tomber. Éperouillé, non, c'est pas ça que je veux. Comment je fais? Attendez, ah oui, si je la lance. Je vais la lancer carrément là-bas. Voilà, super. Et je monte. Et je reprends ça. Voilà, vous voyez. Oh là là, j'ai tout compris. Alors... Je suis sûr qu'il y a un truc à faire en allumant toutes les candélabres, je crois que c'est. Ça s'appelle ce genre de truc là. En allumant tout ça, à mon avis, ça devrait pouvoir nous ouvrir un petit coffre ou quelque chose du genre. Je pense, hein, rien n'est moins sûr. Alors, ben, on s'approche un peu plus du laboratoire, c'est pas mal. Alors j'ai hâte de savoir ce qu'elle va nous donner, hein, comme amélioration de notre tablette. De notre tablette GK. Parce qu'elle avait dit qu'elle allait nous améliorer quelque chose. Du coup, j'ai hâte de voir. Alors, voilà, on va allumer un peu tous les candélabres. Comme ça, bah, c'est. Bah, comme ça, oh, j'en profite, hein, je passe devant, je vais pas m'en priver. Y a pas de quête. Hein. Dans le village Cocorico, je sais que dans le précédent épisode, à un moment, j'avais vu quelqu'un qui nous demandait une quête.
Mais je savais pas encore ce système de quête, du coup ben je l'avais pas, j'avais pas parlé au petit, c'était un petit garçon qui pourrait, je crois. Là il y a un grand arbre, c'est suspect. Je crois qu'il y avait un Kourougou là-haut. Je sais plus. Parce que j'ai un peu taffé en off. Oui, et donc pour. Ah ben là il y a un truc à faire. Avec une bombe, j'en suis certain. On le fera après. Ah bah tiens, on va mettre. Avant que j'oublie, on va mettre une petite étoile. Ouais, super. Oui, donc. Il y en a qui. Il y a certains, par exemple, j'ai eu les retours des 4 premiers épisodes. Parce que voilà, j'ai un peu d'avance sur vous. Et les retours sont pas mal. Les retours sont pas mal, je vous en remercie. C'est sûr que ça fait pas autant de vues que du Paper Mario, mais moi ça me plaît, ça me plaît bien. Alors, à mon avis, c'est ça qu'on doit allumer. Ça. Voilà, super. Ah ben voilà, c'est carrément mieux maintenant. Le laboratoire antique des limites a été reconnu comme point de téléportation. Ok, d'accord. Et maintenant, on peut se téléporter. Mais super, super, super. Alors, on va ranger notre torche avant qu'elle crame. Et salut. Alors, c'était comment elle s'appelait? Pruha. Ok. Coucou, toi. Dink, t'es trop fort. Regarde par là. Regarde, regarde, la pierre guide s'est mise en marche. Enfin, tout a l'air parfaitement de fonctionner. Hihihi, ma petite pierre guide, chérie. Mon adorable petite pierre guide. Elle vit. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Réactivons les modules de base qui manquent à la tablette Sheka. Mais il va falloir me faire un magnifique Ouistiti, je t'écoute. J'ai changé d'avis, Ouistiti. Waouh, super, méga, trop bien. C'est parti, mon kiki, restaurons la tablette Sheka. Déverrouillage de la pierre guide. Allez, elle t'attend. Ok, bon, super. Bah, bah, comme d'habitude, comme on la met comme si on était dans un sanctuaire ou quand on est dans une tour. Tablette Sheka reconnue. Confirmation des modules manquants. Appareil photo, encyclopédie d'Hyrule album. Qu'est-ce que c'est que ça? Initiation de la phase de restauration. Oula, il va nous mettre un appareil photo? Je comprends pas bien là. Il y a une encyclopédie. Est-ce que c'est comme dans Xenoblade Chronicles X? Où il y a une espèce d'espèce de musée hein? De musée ou de... Oui, un espèce... Appareil photo, d'accord. Fige une scène réelle et la change en image. Les photographies prises sont rangées dans l'album. Chaque fois qu'un nouvel élément est photographié, l'entrée correspondante est ajoutée à l'encyclopédie d'Hyrule. Ok, donc c'est un peu comme la quête de Tendo dans Majora's Mask... dans Majora's Mask... Dans... Wind Waker, pardon. Oh. Ok, d'accord. Il y a des animaux, il y a des ennemis, des pommes... Bon, les ingrédients, je pense, et les épées. Et les coffres. Ok, d'accord. Bah, super. Bah, on va voir tout ça, on va voir ça tout de suite après, alors. Yes, c'est ultra génial. Alors, tout est bien réactivé. Bon, alors, voyons voir. Appareil photo, ok. Encyclopédie d'Hyrule, ok. Album, ok. Super, c'est tout bon. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Tu veux pas essayer de me prendre en photo avec ton appareil? Et surtout, montre-moi la photo après. Allez, ce sera drôle. Ok, alors. Super. On va prendre la photo de Pruha. Voilà. Et on va enregistrer dans l'album. Ok. Bah, et on peut faire les autoportraits. Mmh, sympa. Et regardez, il y a arc de chevalier. What? Ah, on peut changer de pose, c'est trop bien. Yo, yo, yo. C'est trop bien. Alors, Pruha, oui, c'est qui? Aïe, t'as pris une photo avec moi, t'as pris une photo. J'espère que pour toi que je suis jolie dessus. Oui, j'en ai pris une. J'en ai pris une. Ah, super, allez, montre, montre. Voilà. Hein? C'est qui ce canon? Oh là là. N'importe quoi. Waouh, c'est... Quoi, c'est moi? Désolé, ça m'a un peu surprise. Il y a d'autres photos dans ton album, t'as vu? C'est des photos de paysages. Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de l'appareil photo. Dis, t'étais bien son chevalier servant, non? Alors, tu devrais sûrement être avec elle quand elle a pris ses photos. Hein? Ah, j'ai oublié. Un tout petit détail, un poil manquant, important, pardon. Tu as perdu la mémoire. Eh, mais si ça se trouve, ces photos pourraient justement t'aider à la retrouver, la mémoire. Bon, tu sais quoi? Tu ferais mieux d'aller en parler à Impa. Elle est bien mieux renseignée que moi sur la princesse. Ah, j'ai encore un service à te demander. Une fois que tu auras rendu visite à Impa, ce serait super si tu pouvais me chercher des matériaux antiques. Tu pourrais me les apporter à moi ou à Pharas, au laboratoire antique
d'Akala. Ah bah c'est comme dans Soleil et Lune. Il y a une île qui s'appelle Akala aussi. On te donnera des trucs sympas en échange. Ok, chalut. Oh bah super. Et bah on a eu un appareil photo. Attendez, et l'appareil photo? Ouais, ça fait quoi si je... Une torche. Entrée a été créée dans l'encyclopédie. D'accord. Alors l'entre scientifique pourrait demander d'apporter à Pharas les matériaux antiques que vous avez ramassés. Vous le trouverez au laboratoire d'Akala. Ok, bon, ça on fera. Déployer des pouvoirs. Mais que sont ces matériaux et qui est ce Pharas dont elle parle? Interrogez Prua pour obtenir des détails. Bon, on va interroger Prua du coup. Oui, Stéti, toi t'as une tête à poser plein de questions et des trucs sympas. En voilà une bonne question. Tu m'apportes des matériaux antiques, j'ai amélioré des modules à la tablette. Je suis pas super génial quand même. J'ai besoin de 3 vis antiques pour améliorer le détecteur Sheikah. Et j'ai besoin de 3 arbres antiques pour améliorer les bombes à distance. J'ai besoin de 3 cœurs antiques pour améliorer le cinétis. Si t'as tout compris, alors bouge-toi les fesses, ramène-moi des matériaux antiques. Oui, Stéti. Alors, oui, j'ai plein de. Les matériaux antiques, en fait, c'est. Voilà les matériaux. C'est des matériaux antiques pour moi. Je vais pouvoir améliorer les modules de la tablette. Je suis pas trop sympa comme fille. Oui, oui, allez, t'es sympa, super. Tu veux que j'améliore quel module? Le cinétis, on va améliorer. Bon choix. Il va me falloir 3 cœurs antiques. Alors, les cœurs antiques, on peut les avoir dans les sanctuaires. Les sanctuaires, quand vous battez des gardiens, en fait. Parce que des fois, il y a des sanctuaires où il y a des épreuves. Donc, des espèces d'énigmes. Et des fois, vous avez des sanctuaires, des bénédictions, ça s'appelle. En fait, c'est juste, vous entrez dans le sanctuaire et vous avez direct le sage, là, qui vous donne, donc, le truc Sheikah, là. L'espèce d'emblème du courage. Voilà, il vous le donne directement avec un coffre au début. Et il y a aussi les combats, les phases combats. Et vous avez un espèce de gardien qui vous frappe avec des épées. Et en fait, les cœurs antiques, on les a en battant ces messieurs, ces gardiens. On peut les avoir. Voilà, et donc moi j'en ai eu 3 juste avec ça. Et super, cinétique, fige les objets dans leur propre espace-temps. Version améliorée peut également figer les ennemis. Oh super! On pourra figer les ennemis. Ah, c'est sympa! Super! Ben nickel! Alors, après j'ai plein d'autres choses à améliorer. Yeah! Le voilà le travail! Bravo ma grande, tu étais très courageuse. Ça, c'est une bonne pierre guide. Maman, elle est fière de toi. Si tu veux améliorer un autre module, n'hésite pas à me faire signe. Alors voilà. Ah, non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. C'est dans. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai 12 emblèmes du triomphe, 42 noix Korogu, toujours le paravoile et la tablette Sheikah. Et les trucs. Voilà, les matériaux antiques, c'est ça. Rouage antique, arbre antique. Donc, les cœurs, je lui ai donné. Vis antique et ressort antique. Après, j'ai eu des viscères d'inox. En fait, j'ai battu un boss qui s'appelle un Inox. C'était pour avoir. C'était une quête en fait. Je vais vous montrer après. On va te donner des matériaux et on va améliorer les bombes. Voilà, parce que les bombes c'est cool. Allez, vas-y, améliore-moi. Et en fait, les Inox, si vous voulez, il y avait une quête qui me. En fait, il fallait que je batte 3 Inox et prendre. En fait, ils avaient une espèce d'orbe autour du cou. Il fallait que je les batte et prendre cette orbe et la foutre dans un espèce de. Bah, je sais pas, une espèce de. Bah, de truc. De marquage au sol, il fallait que je la mette. C'était un espèce de rond, il fallait que j'y mette les 3. Et il y a un sanctuaire qui est apparu, et en fait, c'était une bénédiction. C'est là où j'ai eu une bénédiction. Je vais vous montrer où c'est sur la carte, comme ça, si vous avez le jeu, vous pourrez le faire aussi. Je vais vous la montrer. Bon, on va améliorer les bombes, et après, ça, je le ferai en off, les améliorations. Alors. Eh ben, super. Voilà. On a amélioré les bombes. Et qu'est-ce que ça fait des bombes à améliorer maintenant? Et super, alors ces bombes améliorées sont plus puissantes et se rechargent plus vite. L'explosion inflige des dégâts aux ennemis et détruit des objets de force sphérique ou cubique. Ok, bon, c'est bon. Ok, bon, bah ça fait plus de dégâts. Bon, bah écoutez, c'est très bien, hein. On va pas se plaindre. Alors, bon, super, voilà le travail, elle est fière, et super. Bon, alors, what? Eh oh. Attendez, j'ai le Joy-Con qui ne répond plus. What? What? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut que j'améliore tout, vous pensez? Oh, c'est bête. Parce que... Alors, veux-tu que j'améliore quel module? Détecteur Sheikah, bon choix. C'est quoi le détecteur Sheikah? C'est quoi le détecteur Sheikah? Ah, peut-être que c'est pour scanner les ennemis. Ah, peut-être que ça va être ça. Parce que je l'avais vu dans la démo du jeu à l'E3.
au Nintendo Treehouse, il détectait des ennemis en fait. Hein, peut-être c'est comme ça que ça va faire. Ok. Bon, en tout cas, là, j'ai avec mon stick, je sais pas ce qui lui est arrivé, je pouvais plus me déplacer, hein. Et voilà, super. Alors, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que j'ai bien raison? Est-ce que j'ai bien raison? Ah, détecteur Shekai plus. Ah non! Lorsque vous remarquez que la réaction poursuivie dans cette direction pour activer, allez l'élément recherché. Ah non, c'est ça le détecteur. Bon, c'est bof. Ok. Le détecteur Shekai a été amélioré. Ok, bon, super. Bon, ça, je le connaissais. Détecteur, on l'avait eu dans. Bah, qu'on avait activé la deuxième tour du jeu. Voilà. Et super. Ah, ben voilà. Je me disais, il y avait bien une scène. C'est pour ça que je pouvais pas me déplacer. Ah, le détecteur Shekai plus. Je veux absolument le voir. Bon, ben, dans ce cas, ce serait sympa si tu pouvais montrer ton détecteur Shekai plus à Kanel. Oh, oh là là. Me dis pas que tu as déjà tout amélioré. C'est génial, ta tablette Sheikah est en poche. Et avec ton talent à l'épée, tu peux venir à bout de n'importe qui. Ganon peut rentrer chez sa mère. Okay. Non, en fait, je ne peux plus bouger. Il y a un problème, les amis. J'ai un problème. J'ai le Joy-Con gauche qui ne répond plus. Attendez. Alors, à mon avis. Attendez. Voilà, on va l'éteindre. C'est bête quand même, hein. Attendez, parce que j'ai le Joy-Con. J'ai jamais eu de problème. Ah, ben voilà! Il fallait. Ok, je l'ai enlevé, je l'ai remis. Ok. Je l'ai éteint. Si vous avez le même problème, en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai débranché le Joy-Con et j'ai appuyé sur le bouton qui permet de l'éteindre. Voilà. Et après, je l'ai remis sur le truc. Il est capable de détecter les éléments dont tu possèdes une photographie. Tu pourrais t'expliquer comment l'utiliser, mais je crois que rien ne vaut mieux que la pratique. Alors, nous allons procéder à une petite expérience. Voyons voir ça. Pourrais-tu commencer par prendre en photo le champi-piment qui pousse derrière le laboratoire? Ok, bon, super. On va faire ça. Alors, c'est une mission. Donc, ah, ben voilà, le champi-piment, il est juste là. Alors, du coup, on va prendre en photo ça. Voilà. On va s'approcher un peu mieux. Champi-piment, on va sauvegarder. Champi-piment, ok, bon, on va le prendre. On est des vandales, nous. Voilà, et en plus, il laisse pousser des champignons derrière son laboratoire. Il le sait d'ailleurs, il l'enlève pas lui. Bon, tu as réussi à prendre la photographie du champignon, bien sûr. Et voilà, parfait, tu as pris une bonne photo de ce champignon, merci. Bien, maintenant, ouvre l'encyclopédie d'Iru et règle le détecteur sur le champignon. Ainsi, le détecteur Sheka+ pourra rechercher tous les champignons après. Oh, c'est trop bien! D'accord! En fait, c'est mieux que scanner les ennemis. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Super. Alors, si je fais ça, alors maintenant, on va ouvrir. C'est comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Détecteur Sheka. Attendez. Champi piment. C'est comment? Attendez. Parce que il m'a montré, mais autoportrait, photographier, zoom, album, c'est moi. Ok. Voilà, d'accord. Et là, on a des souvenirs. Oh! Ah non, je croyais que je savais où c'était ça, mais non. Ah, il y a des souvenirs. En fait, à mon avis, il faudrait que je prenne ça en photo. Il faudrait que je retrouve où elle a pris les photos, Zelda. Il faudrait que je les reprenne. Donc, Epona, là. Le château avec un arbre. Super. Là, on a le pont. Eh, je sais où il est, ça. C'est le pont. Le pont détruit, ça je sais où c'est. Oh, il y a un espèce d'oiseau en haut à gauche et il y a un sanctuaire cassé. Ok, bon, ça on l'avait vu. Oula, ça c'est dans la forêt, ça va être dur à repérer. Ok, bon. Ah! Je rêve? Ah non, j'avais cru que j'avais vu l'emblème Gerudo. Bah non, c'est une oasis. Ok. Bon, ben super. Alors, ça fait déjà 25 minutes. Bon, je pense qu'on va prolonger un petit peu. Alors. On va faire la mission maintenant Héritage de Zelda. On va continuer. Prua avec l'appareil photo. D'après Prua, l'album pour donner déjà d'anciennes photos. Aller au village Kuririo et demander à Impa. D'accord. Bon, on va demander à Impa alors. Bah, on va se téléporter, hein. Écoutez, j'ai activé un sanctuaire à côté du village Kukuriko. Autant se téléporter, hein. Voilà. Bah, eh bien, bien sympa cette amélioration du Sheikah Slate là. Elle est super sympa. Enfin, de la tablette Sheikah. Moi, je la dis en anglais, hein. Sheikah Slate. Voilà. Je trouve mieux que Sheikah Slate, ça sonne mieux que Tablet Sheikah. Mais bon, et après, c'est que mon avis.
Bien entendu. Et ouais, alors les photos qu'elle nous a montrées là, où Zelda a pris les photos du coup, je crois bien que j'en ai qu'une en fait, où on est déjà passé. Enfin, je crois que j'en connais qu'une en fait, de lieu où elle est allée quoi. C'était là où il y avait des espèces de statues et un pont. Voilà, c'est la seule photo dont je me souviens à peu près où j'ai vu ça. Alors, la maison d'Impa, où est-elle? Ah, je crois qu'elle était. Bon, elle est en combat alors. Ah, voilà, elle était là. Voilà, nous on est des fous, Impa. On est des fous, on arrive directement Delta Plane chez toi. Voilà, c'est bon. Alors, salut! Oh, elle prie? Ok, bon. Ah non, elle nettoie, d'accord. Ok. Oh! J'avais entendu dire que Pruha t'avait demandé. T'avais mené la vie dure, mais tu n'as pas l'air si mal en point. L'héritage de Zelda terminé, nickel. Voyons voir, montre-moi ça. Ouais, Link ne lui donne pas à Impa, sinon elle risque de le faire tomber, c'est une mamie quand même. Hein. Oh, mais ce sont des photos que la princesse Zelda a prises il y a 100 ans. Ah, il y a bien le château d'Hyrule devant. Hein. Si les lieux qui apparaissent sur ces photos sont des souvenirs de la princesse Zelda, alors ils pourraient bien être la clé qui te rendra tes souvenirs. Il faut que tu les trouves. Reviens me voir quand tu auras visité l'un des lieux représentés sur les photos. J'aurai quelque chose pour toi. D'accord. Des photos, des souvenirs. Nouvel objectif. Ah, est-ce que par exemple. Ah, on peut les voir. Ok. Ouais, non, ça je connais pas. Ça, j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Hein. En fait, il faudrait que je m'approche du château, quoi, en fait. C'est ça. Hein. Est-ce que. Non, c'est pas les modules que je veux. C'est ça, voilà. Des photos, des souvenirs. Votre album, il vous reste 12 endroits à trouver. Ah, ils nous disent pas les endroits. Hein. Ah, ben non, sinon ça serait trop facile. Vous m'étonnes, tu m'étonnes. Bon, bah écoutez, on a eu ça. On peut aller. Bah, maintenant, en fait. Ouais, il y a juste des endroits à trouver, mais. Sérieusement, moi, je pense qu'on va partir sur les créatures divines. Hein. On va plutôt passer les créatures divines. Alors, il y en a 4, si j'ai bien compris. Il y en a une qui est près de nous. Alors voilà, les Inox là, que je vous avais parlé, les trois créatures dont pour le sanctuaire, elles étaient juste là. Hein, voilà, j'ai mis des têtes de mort là où il y avait des boss. Les Inox, en fait, c'est un espèce de gros troll avec un œil. Enfin, c'est un cyclope, quoi. Un cyclope mokoblin. Voilà, c'est un espèce de cyclope mokoblin. Alors, eh bien, je pense, les amis, qu'on va aller au sanctuaire de Toumis, ok? Ah d'ailleurs, oui, mais j'ai carrément oublié de vous dire plein de trucs en fait, parce que j'ai eu plein de choses en off, dont ma tenue là, que vous avez vu. J'ai eu le bandeau d'escalade, vous l'avez déjà vu, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai eu aussi le torse d'escalade, et en plus je l'ai fait augmenter par la grande fée qu'on avait vue dans le précédent épisode, je crois. Donc voilà, donc ça j'ai eu le haut et le milieu. Il me reste juste le pantalon à avoir avec la compétence facilité à grimper les montagnes, les parois rocheuses. Et puis on sera bon. Comme ça j'aurai ma tenue d'escalade. Ça sera super. J'ai aussi eu, en parlant de ça, comment ça s'appelle? Alors voilà, en plus je suis au plateau du prélude, ça tombe bien. Voilà, alors j'ai eu plein d'ingrédients. Dont du beurre, le beurre on peut le trouver au village Cocorico, en fait c'est quelqu'un qui nous le vend, j'ai eu plein de choses, et dont voilà un torse, un doublé, et ce doublé ça nous permet de résister au froid, et en fait c'est tout simplement la cabane du roi d'Hyrule, qui en fait en partant le roi d'Hyrule nous a fourni son doublé, voilà son doublé il nous l'a donné. Alors on va partir en quête de ce... Bah écoutez, de la créature divine vers le désert, parce que je vous avais dit que j'avais envie clairement de voir cette créature du désert, parce que c'est celle qui me semble meilleure pour l'instant. Et puis elle est pas vraiment très très loin du plateau du prélude, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, bah nickel. Alors, je vois qu'il y a pas mal de clipping. Alors, dans les tests du jeu, ils avaient dit que le clipping, bon, ça passait. Franchement, on voyait pas vraiment ça. On voyait pas vraiment de clipping. Finalement, quand je joue au jeu, surtout sur tablette et sur écran, on voit vraiment beaucoup de clipping. Mais ouais, c'est affligeant quand même. Hein. Mais ça se voit que la Switch, elle donne tout. Hein. Quand elle lance Zelda, elle donne tout. Elle donne tout ce qu'elle a dans ses tripes, quoi. Alors voilà. On va déglinguer. Non, 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 non. Ouais, alors, on va utiliser ça.
Non, 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 en fait j'ai. Voilà, on va. Vous savez quoi? On va utiliser la baguette. Vous savez quoi? La première fois que je vous la montre, nous allons utiliser cette baguette. Bon, on a une massue et une viscère. Une viscère de beau gobelin. Ok, bah super. Alors. Bah, si je vois des bocoblins, ça veut dire que bah on n'est pas très très. Il y aura pas vraiment d'ennemis très très forts. Donc ça me fait plutôt plaisir. Ah, c'est sympa, hein. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette phase d'exploration. Comme je vous l'ai dit. Oh! Oh! Il y a des chuchus électriques. Eh ben super, on va pouvoir les tuer. Alors j'avais déjà eu de la gelée chuchu électrique parce que en fait la chuchu gelée bleue, c'est la chuchu gelée de base. Celle-là, attendez, voilà. La gelée chuchu blanche, c'est celle qu'on trouve dans les environnements glacial. La chuchu gelée jaune, en fait, c'est tout simplement quand on électrise une gelée chuchu avec la baguette. Du coup, je l'ai eu comme ça. Et la gelée chuchu rouge, c'est quand on fout le feu à des gelées chuchu bleues. En les cramant en fait. Et il y a un lesalfos là, je sais pas quoi. Ah mais tiens, attendez. Ouais. Oh non 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 non. Non non non. Attendez, on va le prendre. On va le prendre en photo. Je sais pas s'il a vu là. Ok, il a vu un lesalfos. Bon super. L'entrée a été créée dans l'encyclopédie. Ok super. Lesalfos. Toi, par contre, tu vas te crever. Hein. Voilà. Bah, oh mais ça one shot en fait. Ah ben ma baguette de fulguration va bientôt se casser. C'est dommage. Bon, attendez, j'ai un boomerang lézal là, ça va aller mieux. C'est ce qui va le donner. Bon, écoutez les amis, je pense que pour alors eux, voilà. En fait, eux, les squelettes, il faut tout simplement viser leur tête, voilà. Parce que leur tête, c'est leur point faible. Et quand on vise leur tête, ben après ils meurent. Alors, ils me donnent plein de choses, c'est sympa. Et d'ailleurs, j'ai un nouveau truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, on va jeter des choses. J'ai une. Voilà, une batte. Lance à pointe moblin. Ok, d'accord, bah super. Ok, bah super. Super, super. Alors, on va continuer notre petite escapade vers le désert. Et franchement, là. Oui, donc, comme je vous le disais, j'adore ces phases d'exploration. C'est pour ça que j'aime pas. Ah, des chaussures électriques. Oula, il y a des monstres quand même. Hein. Beaucoup, beaucoup de monstres. Quand même. Alors, il a une corne électrique, lui. Ouais, j'ai l'impression. Alors, voilà, on va lui toucher la tronche. Voilà, super. Alors, j'aimerais bien qu'il me donne sa corne. Comme ça, on sait jamais si. Voilà, ça fera une arme électrique en plus, quoi. Et un boomerang, déjà, trilame. Attendez, mais je crois qu'en fait, cette zone, elle est pas pour moi. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle soit pour moi, parce que regardez, que jaune de mes alphos. Bon, ça, c'est super. Mais regardez, je viens de tuer un truc qui nous a donné une arme à 36 de dégâts. C'est plus que tout ce que j'ai jusqu'à maintenant. Bon, écoutez. Voilà. Là, on va prendre ça. Et on va équiper ça, super. Ouais, donc, je sais pas, peut-être que je suis pas au bon endroit, en fait. Je sais pas. En tout cas, moi, j'aime bien. Donc, je vous avais dit, de toute façon, que j'adorerais... je voulais, de toute façon, quoi que je fasse, aller dans ce désert. Je voulais aller dans le désert, tout simplement, pour battre cette créature divine. Parce que le désert, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Waouh ! Et attendez. Oh, non, c'est une lune rouge. Je vois la lune rouge, là-bas. On va se barrer vite. Avant qu'il y ait des monstres qui pop. Des monstres qui pop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un gros rocher, là, encore. Ouais, non. J'espère qu'il n'y a pas de boss, là. Vous savez, l'espèce de gros boss en caillou, là. Le boss caillou. Ouais, bof. Alors, eux, ils me laissent tranquille. Bon, ça va. Heureusement qu'ils sont pas très, très intelligents. Ouais. Oh. Ah, mais voilà, c'est eux qui nous donnent les baguettes. Il a une baguette de feu, lui. Attendez. On va lui prendre. Non, viens là. C'est eux, c'est des mages, en fait. Voilà, c'est eux qui nous donnent les baguettes. Voilà, regardez. Ah, voilà. Non. Oh purée, il nous a cramé. Oh voilà, donc c'est eux qui nous donnent les baguettes. Ouais, j'en avais tué un. Et en fait, il m'avait donné une baguette de foudre. Donc c'est eux qui nous donnent les baguettes. Bon, écoutez, vous avez vu qui nous donne les baguettes. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est eux. Et il m'a défoncé. Pourtant, je lui avais fait mal avec mon arc. J'aurais dû continuer à le snipe à l'arc en fait. J'aurais pas dû. Ah bon, il est juste là. On va le défoncer et après on va arrêter l'épisode là. Je suis sûr.
Je suis sûr qu'on va arrêter l'épisode là. Alors, on va mettre ça. On va mettre en fait des trucs à 5. Des. Voilà. Des trucs à 5 parce que comme ça me fait plus de protection. Alors, un arc. J'ai un arc à 26 là. Bon, écoutez. Pas très grave. Alors, viens là, toi. Il est où? Alors. Waouh, attendez. Il est juste là. Tiens, tu meurs. Ok, il va revenir. Waouh là là, attendez. Il y a clairement un problème avec la lune. Tiens, tu meurs. Oh eh, ça me suit. Ça me suit. Ça me suit. Ah, c'est. What? La lune de sang, elle brille à nouveau cette nuit. Link, prends garde. Bon, je me suis fait... bon, il y a une cinématique, mais je me suis fait suivre par une chauve-souris. En fait, il... Wow. Attends, deux secondes, monsieur, je fais pause, pouce, deux secondes, je prends une petite ration. Oh, poêlé végétal max. Comment je peux faire? Attendez, c'est quoi Attendez, recette, comment j'ai fait ça? Deux radis max, ok, bon ça je referai. Et regardez du coup tout ce que ça nous donne en cœur. Ça nous donne des nouveaux cœurs, les cœurs jaunes. En fait c'est des cœurs d'absorption comme dans Minecraft. C'est quand on mange une boîte, ça nous donne des cœurs. Oh, mais lui, il est incroyable celui qui nous fait ça là. Il est où cet enfoiré qui a sa baguette là? Il est en haut. Bon, meurs toi. Non mais j'ai plus de flèches. Meurs, voilà. Il est là. Enfoiré, viens là. Tiens, meurs. Tiens, voilà, meurs. C'est bon. Ouf. On a. Et maintenant, normalement. Oh oh. Ah non 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 non. Ah, baguette de feu. Voilà, j'ai une baguette de feu maintenant. Parce qu'il m'a looté son arme. Bah, super, baguette de feu. Non. Baguette de feu. Attends, voilà. On va se barrer de là. Toi tu jettes. Ça. Non, je vais garder. Ça tu gardes. Je vais garder la baguette de foudre au cas où peut-être qu'il y a un PNJ qui va nous. Je sais pas si il peut nous rendre notre. Bah nous solidifier un peu notre. Oh un loup. Bon j'ai eu il m'attaque pas, sinon je l'aurais frappé. Et voilà, regardez notre baguette. Et maintenant, avec ça, on peut monter. Et voilà, ça va nous permettre d'aller plus vite. Bon, ça va être super. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. La prochaine fois, on va se fight. Enfin, on va se fight. Non, on va se... aller plus vers la créature divine du désert, j'ai l'impression, puisque c'est un environnement un peu aride. Il y a une tour là-bas, il faudrait qu'on y aille, on va y aller même. Je vais y aller en off là après. Ou peut-être avec vous, je sais pas. Ouais, peut-être avec vous, ouais, on va la garder avec vous. Je vais la garder avec vous cette petite tour. Et je me fais attaquer par des mocoblins, ça ne va plus. Et en plus, il a un arc. Tu vas mourir, mec. Alors. Attendez, voilà, on va le tuer et on va s'arrêter. On va arrêter l'épisode ici, voilà. Tu vois, tu meurs, voilà, super. Et il me donne un os de moblin, ok. Ok, bah super. Et un arc de soldat, et des cornes, et des crocs, voilà. Bon, les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes de Zelda Breath of the Wild. Merci à tous pour votre soutien dans les commentaires. Merci à tous pour vos astuces dans les commentaires. Vous m'aidez beaucoup sur cette série et je vous en remercie. Allez, bisous à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.